Et en fait, Ostrovski, est, si on le lit vraiment, c'est il est anti-Poutine au dernier degré. C'est tout ce qu'il est. Liberté, volonté. Ça, c'est les mots de Katerina, de l'héroïne. Volonté et absence de volonté. Tu bois le matin, tu es libre toute la journée. Et en fait, c'est un proverbe russe. Parce que l'alcool, qui est aussi un thème très important de cette pièce, de tout le théâtre d'Ostrovski, et qui a un sujet très immense dans la Russie, y compris dans la Russie d'aujourd'hui. C'est une phrase que je pense que tous les Russes connaissent. Alors j'ai mis dans le spectacle un tout petit morceau du film L'Orage de 1934, qui était un film soviétique et qui a des très beaux plans. Et Ostrovski, je pense que s'il avait vécu au XXe siècle, il aurait fait du cinéma. Non seulement c'était une pièce moderne, mais le théâtre était moderne parce qu'il n'y en avait pas eu très peu. Il y a eu quelques grandes pièces dans la première partie du XIXe siècle, Pouchkine, Lermontov, Griboïedov et Gogol, quatre auteurs qui avaient écrit quelques grandes pièces, mais il n'y avait pas véritablement de grand répertoire, il n'y avait pas de répertoire réaliste. Et Ostrovski a tout simplement regardé son temps, les mœurs de son temps, comment les gens vivaient, et il les a peints dans ses pièces. Il a raconté ça. Et donc, je l'ai transposé dans les années 90, après la perestroïka, et en m'appuyant aussi sur le fait qu'on a dit à cette époque-là que les personnages d'Ostrovski étaient de retour, et notamment les personnages d'oligarques. Ça ressemble beaucoup à ces personnages de marchands qu'on voit dans les pièces d'Ostrovski, qui sont des potentats, qui ont le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir institutionnel, le pouvoir policier. Ils cumulent les pouvoirs dans les petites villes, donc ils sont comme des chefs de gang. Parce que je trouvais que les textes que je connaissais ne me satisfaisaient pas entièrement. Je connais bien Laurent pour avoir travaillé deux fois sur des textes, à la fois comme acteur et comme metteur en scène. Et je me disais qu'avec son sens du réalisme, son sens de la petite vie, de la vie ordinaire, de la vie des commerçants, enfin, dans ses romans, il y a une perception comme ça de la classe moyenne, il sait les faire parler de manière très, très juste. Et donc je me suis appuyé là-dessus et pour qu'il amène à nous ces personnages russes, quelquefois, dans les anciennes traductions notamment, ça paraît du très vieux théâtre. Généralement, ce qui caractérise les personnages d'Ostrovski, c'est leur faiblesse fondamentale. C'est plutôt les femmes qui sont courageuses, d'ailleurs, et qui essayent d'accomplir un destin parce qu'elles se sentent extrêmement opprimées. Donc, elles ont une énergie de révolte beaucoup plus grande que les hommes. Les hommes, c'est assez touchant. Enfin, vraiment, il n'y en a pas un pour acheter l'autre, très souvent. Je suis mariée. Oui. Devant les hommes, devant Dieu, tu comprends? Je vivrai avec mon mari jusqu'à la fin de mes jours. Oui, mais c'est vous qui m'avez fait venir ici. La Volga, c'est un énorme fleuve. Vous voyez, c'est comme une sorte d'océan, de mer, avec une sorte de pays lointain qui est l'autre rive. Et c'est comme, vous voyez, c'est un petit peu comme un écran cinémascope. Tout est sur le fond de cet écran de la Volga, qui est à la fois donc la mer, donc l'infini, la liberté, pourquoi pas, mais aussi c'est un mur contre lequel on se fracasse ou à travers lequel on passe pour aller mourir. Oui, ces personnages d'Ostrovski, finalement, on a leur caricature aujourd'hui. On a l'impression que dans Ostrovski, ce sont des monstres, mais qui sont encore à l'état gentil, si on peut dire. Je pense que le rapport avec le monde de la Russie d'aujourd'hui, c'est cette violence. Cette violence. Et ce personnage de Katerina a quelque chose de très symbolique.